Non, mais là, nous pas parler. Comment on va parler là? Parce que nous pas parler bien, il n'y a pas de respecter l'autre. Vous doit croire moi. Et bien voilà. Caricature langue, la plage, venir à cette année. La rivière, vieux habitants au bassin bleu. La plage du souffleur. Et puis, du côté de Gosier, oui. Ouais. Et moi, comme j'aime pas trop la ville, je préfère la campagne. J'aimerais bien aller voir, aller visiter la pointe de la Grande Vigie du côté d'Ansbertrand. Et il y a aussi la Soufrière aussi qui est pas mal à visiter. À Malgalante, visiter. Et, ainsi que la Désirade. Les chutes du Carbet, la plage de la Sainte-Anne, Saint-François aussi, c'est pas mal. Après, D.A., j'ai bien aimé. Enfin, tout, il n'y a rien à acheter. Donc, moi, j'aime tout. Ben, chute du Corbet. Tu as aussi les rivières. Ben, en allant vers déjà les mamelles. Tu as... comment ça s'appelle? Cascade aux Écovis. Les portes des châteaux. Mais aussi, il y a la porte d'enfer. Le trou à Mancoco. Quoi d'autre encore? Bah, évidemment, la Soufrière. Le meilleur endroit, allez, honnêtement, à part les rivières. Tous les sites de rivières. Chute du Carbet, le Jardin d'eau, Bras David, Écrevisse. Tout ce qui est rivière, même à Trois-Rivières, qui porte bien son nom, forcément. Très intéressant à voir et à profiter en vacances, surtout quand il fait chaud. La Pointe des Châteaux, les Chutes du Carbet. J'aime beaucoup Dayé, le Fort Royal. Pour ne pas citer d'hôtel. Après, il y a Bois-Jolan, il y a les Saintes, il y a Marie-Galante, il y a Saint-Martin, il y a de tout. Rivière, plage et tout. En Guadeloupe, en Guadeloupe. En C, en Guadeloupe, en Guadeloupe. Tu as pas mal de sites en Guadeloupe, hein. Il y a aussi les plages. Il y a de belles plages en Grande-Terre. Sainte-Anne, Saint-François. Mais tu as aussi même Malendur, qui est aussi bien. Tu as le site touristique aussi à Malendur, avec le bateau de fond de verre et tout ça. Il y a plein de trucs qui sont intéressants en Guadeloupe. Hein. On ne peut pas s'ennuyer pendant les vacances en Guadeloupe. Si vous vous ennuyez, c'est que vous n'avez pas de problème. Vous pas venir en vacances. Alors, moi, je suis fanat de la Porte des Indes. La Porte des Indes, un restaurant à Saint-François, du Bédou. Très bonne cuisine, bien épicée. Qui rappelle l'Inde. Lucilius à Sainte-Anne, dans le bourg. C'est Lucilius, ils font tout. Salade, entrecôte, riz et poire rouge et entrecôte. Et quand il n'y a pas entrecôte, c'est ben, rips. Le plus souvent Sainte-Anne. Bois-Jolan, Sainte-Anne, fidèle à ma rivière, les mamelles. Et comme on habite Sainte-Anne, eh ben, on va à Sainte-Anne. Sinon, on va à Port-Louis-Souffleur. Mais là, on va nous parler. Comment on va parler là? Parce que nous ne pouvons pas parler bien, il n'y a pas de respecter l'autre. Vous devez croire moi. Et bien voilà.